Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un moment rétro sur Golden Sun et j'espère que cette fois ça va marcher parce que ça fait 5 fois que je reprends le truc et là vraiment je fatigue. La voix est partie en couille. 1, 2, 1, 2. Test. Ok. Bref, tout ça pour dire que oui, alors on fait un moment rétro sur Golden Sun. Du coup, pourquoi déjà, premièrement, bah parce que Smash Bros. Voilà, ça c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est en 2-2. Deuxièmement, parce que j'en ai déjà fait une, que YouTube en a pas voulu, que mon ordi en a pas voulu, que ma webcam en a pas voulu, et que du coup, bah, je la recommence. Mais je la recommence là où j'en étais. Parce que je suis fatigué de recommencer 600 000 fois. Donc je vais vous mettre un extrait maintenant. As-tu ce dont tu as besoin? Non! Bah oui. Et qu'on lui, hein. Éboulement, palissade. Détruite, monstre, partout. Problème. Ah, c'est bizarre, je suis pas blessé. Mais ensemble, la grande pourquoi tout le monde pense que Isaac va arriver. Et nous allons trouver comment le sauver. Bah, tu l'as pas vu venir, ça. Bref. Du coup. Bah là on va reprendre où on en était parce que j'aime bien Golden Sun et que ça me dérange pas mais que je voulais pas vous faire le début en mode orage au désespoir au vieillesse ennemie, je n'ai pas vu venir le truc qui est à... qui est... J'avais pas de rime, alors j'avais pas de... Vous avez compris le principe. Bref, du coup on reprend. En espérant que cette fois ça marche. Et je filme avec mon téléphone parce que bah j'ai... plus de webcam qui marche, elle veut pas marcher. C'est de la merde de toute façon. En espérant que mon téléphone lui par contre va bien marcher parce que il s'est arrêté à 2 minutes 30 juste avant parce qu'il y avait plus de carte, il y avait plus de mémoire sur la carte SD, du coup bah, j'enregistre sur le téléphone directement mais je sais même pas s'il y a de la mémoire donc ça se trouve je l'aurai dans le cul. Voilà. J'avais tout préparé, pas besoin de me tenir en compagnie. Ah oui, alors du coup pour vaguement en être, il y a eu un gros caillou. Ah, des cailloux. Ah non, ah là là. Ça, c'est au cas où si vous n'avez pas eu l'extrait, bien évidemment. Ah non, des cailloux. Du coup, les gens, ils ont fait ah, psychi. Non, le caillou est plus lourd. Ah, voilà. Vaguement, c'était ça. Après, nos deux compatriotes, bon, là, on est trois du coup, parce qu'il y a Lina qui nous rejoint cette fois, mais à la base, il n'y avait que Gareth qui est, bon, si vous avez eu l'extrait, qui est très con, invisiblement. Mais. Du coup, on s'est fait attaquer par deux mecs qui apparemment, sans faire exprès, avaient provoqué ce cataclysme ou quoi que ce soit le nom. Et on se retrouve 3 ans plus tard ici et on veut se venger. Alors, vaguement, c'est ça surtout. Je pense que c'est ça. En vrai, je pense que c'est ça, mais du coup, j'ai pas lu où fallait que j'aille. Mais je vais aller par là, ça a l'air bien. Bonjour. Bienvenue voyageur, quel type d'aide puis-je vous apporter? Ressusciter, purifier, repousser, délivrance. Non, vraiment rien à foutre de ça. Non, ça... Vous savez quoi? On va aller reparler à la dame, parce que visiblement on n'a rien suivi. Parce que je parle et je passe le texte en même temps. J'ai pas compris le principe presque utilitaire, finalement, de parler aux gens. On dirait qu'il ne pleuvra pas avant longtemps, je devrais aller repousser. Oui, d'accord. C'est tout? Oh merde. On va se balader. On va se balader, on va aimer le jeu. Bonjour. Le mont Alpha est très beau aujourd'hui, il est si calme. Il faut que j'aille au mont Alpha. Le mont Alpha, c'est le truc qui doit être tout en haut. Comment je vais tout en haut? Il n'y a pas de cailloux déjà qui nous bloque le chemin. Alors, ça du coup c'est le truc, mais est-ce qu'on peut passer? Non, on peut pas passer par là. On passe par là alors. Excusez-moi, bonjour. Cailloux. Avez-vous besoin de passer? Oui. Vous devez aller chez Telos. J'ai pas compris. Ah bah voilà justement les personnes qui nous ont attaqués. Les anciens ne permettent à personne d'y entrer, même pas à Telos. Même à Telos. Telos, peut-on lui demander de l'aide? Ses connaissances sont vastes, nous pourrions essayer. Ouais, bon, on s'en branle. Et il est têtu que nous imaginions. Et rusé également, rusé à un tel point. Oh là là, vraiment, on n'a rien réussi à faire pendant 3 ans. C'est qu'il est très rusé, le monsieur. C'est tellement mal joué. Vous, qui va là? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on les tape. Mais non, on n'écoutait pas ta conversation de merde. Bref. Eh, c'est vous qui nous espionnez.
Espionner. Qui êtes-vous pour m'accuser? C'est avec vous, Telos avait rendez-vous. Que Telos avait rendez-vous. Exact. On a rendez-vous dans quelques instants. Et ce rendez-vous est assez important pour nous renvoyer? Oui, dégage. Notre rendez-vous est plus important que le nôtre, alors. Vous avez raison. C'est assez vraiment ça. Non, je suis pas sûr, mais on fait. Nous avons aucune raison de retarder ces enfants, Phoenix. Je pense qu'ils essayent en fait de nous laisser passer pour voir Telos. Qui était-il? Ils en savent trop au sujet du temple de Sol. Des choses que même nos anciens ne connaissent pas. Et que disait-il au sujet des éléments? Il parle tout seul, il parle au rideau, il parle à la maison, qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas, on ne sait pas. Feu, air, ombre, l'équilibre. Et les quatre étoiles élémentaires en sont la clé. Ce sont des choses que même moi, un sage, ne sait pas. Vous allez encore me tuer. Il y avait la souris au milieu de l'écran. Voilà, ça c'est fait. Bonjour monsieur. Oh Vlad. On dirait que quelque chose t'ennuie. Moi, eh bien... Ce sont ces deux-là, Salamandar et Phoenixia. C'est bien ça. Oui, ils sont toujours là. Qui sont-ils? Voulaient-ils te demander quelque chose? On dirait que c'est le cas. On dirait. Le mont Alpha et le temple de Sol, il en parlait comme s'il les avait vus de leurs propres yeux. N'est-ce pas étrange? Non, sinon il n'y en aurait pas dans le jeu. J'ai dû attendre des années avant d'entrer dans le temple. Bien sûr que c'est étrange. S'ils sont entrés sub... Ils doivent être des voleurs. Nous devons privilégier, prévenir les anciens et les villageois. Attendez! Je ne sais pas ce qu'il est vrai. Nous ne pouvons rien faire avant d'être certains. Que devons-nous faire? Allez vérifier. Quoi? Tu veux aller au temple de ça? Mais... Oui, tu y vas. C'est impossible. Pourquoi ce serait-ce? T'as raison en fait, vieux. Bah, au gros, on y va. Oui, voilà, c'est tout à fait pour ça. Tout ira bien s'il ne nous voit pas, hein. Oui, bah oui. C'est vrai, nous ne faisons rien de mal. Après tout, on fait que faire chier le monde, ça ne change rien. Ce serait notre petit secret, ok? Oui, mais je vais faire que répondre oui, de toute façon. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Parce que le mec, il parle pas, il fait juste oui, 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 oui. Là, tu seras le chef. Oui, bah oui, oui, oui. C'est pas l'autre. Oh là là. Tu es prudent, Gareth Val, donc ça devrait aller. Ne sois pas aussi incisive. Je suis sûr que j'ai pas lu du tout la bonne phrase, mais je lis très vite parce que vraiment. J'ai envie qu'il se passe un truc, tu vois. Il va revenir et me dire tiens, une potion vide. Ah, il va avec nous. Il n'y a même pas écrit à rejoindre l'équipe ou quoi que ce soit. Attendez. Ah, il a pas rejoint. Du coup, c'est où? Parce que escalader le machin, moi je veux bien jusque-là, tout est sympathique, tu vois, mais c'est où? C'est là-bas? Ça doit être là-bas où il y avait le mec. Ah ben non, il y a un caillou. T'as entendu ces rugissements terribles venant de la barrière? Oh oui! Toi aussi, j'ai peur. Il y avait au moins, je sais pas moi, un chien. Non mais honnêtement, je vais où? Parce que c'est sympa. Il y a qui te dit escalade machin truc, fais bidule chouette, mais c'est où? Ouais, mais ça tu me l'as déjà dit. Oh là, je vais en faire du chemin, je vais trouver un truc, je vais... Promis. Enfin non, je vous le promets pas, parce que sinon ça va être la merde si je le fais pas. Là, c'est le petit garçon qui a coulé. D'accord, oui, bah... Donc le village, il doit être par là. Pas du tout. Je me suis planté, on y retourne. Allez, on y retourne. Putain. Bon, je dis ce que je veux, de toute façon. C'était là, du coup. Excusez-moi. Bonjour.
Non, bah j'en ai depuis 3 ans après la tempête. Bah ouais, tu m'étonnes, il y a toujours un gros caillou qui est tombé dessus, c'est quand même fou ça, hein. Les rebonds, quoi, les ricochets de nos jours, c'est... On peut pas prendre ça? Mais ça se voit qu'il y a un truc qui flotte là. Pff. Me dis pas, il a besoin du psy pour ramasser une pêche. Là, je suis revenu là. Ah mais je suis vraiment con en fait. Je suis né con, je pense. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, bah, on va là. On revient en arrière, parce qu'on a toujours pas compris où aller. Puis là, on monte. Tiens, toi. Il y a des monstres partout là-bas. Bah peut-être, mais il y a surtout un caillou qui me bloque le chemin. J'ai rien compris. Moi, je veux savoir comment j'y vais. Ah, oh non, oh non. Si. Mais j'ai une permission. Mais. Ah, c'est au temple de Sol que je dois aller. J'y suis allé quand même. C'est passé, il y a de l'infiltration. Voilà, bonjour. Comment je suis passé en scred? C'est l'entrée du temple de Sol, tu n'étais jamais venu, pas vrai? C'est un vestige important de nous passer, regarde bien autour de toi. D'accord, bah c'est des cailloux, des cailloux, des cailloux. Oh, une torche! Des cailloux, des cailloux, des cailloux. Des cailloux, des cailloux. Des cailloux? Ah, d'accord. Oh non, mais on va jouer à Frogger sérieusement là. Tung, tung, tung. J'ai trouvé du premier coup. Je suis content. Ah, le sol est bleu. Oh là là, ah, c'est beau. Oh là là, vestiges du passé, tout ça. Oh là là, oh là là. Ça se voit que je suis fatigué ou pas? J'ai les yeux qui pleurent presque, mais bon, je suis crevé. Un combat! Ah, il t'apparaît. Du coup, bon, bah, je vous remets le petit cas au cas où vous n'auriez pas compris. Les gens pensent que Isaac ou Vlad sera là à cause de l'image du Rathalos. Je vais pas vous la remettre parce que je suis fatigué, mais vous la retrouverez sur internet. Et voilà, ce sera. C'est la raison de pourquoi. En tout cas, c'est clairement une référence. Est-ce qu'il y sera? Peut-être pas. Hein. Oh non! On a découpé un champignon! Mais il était vénéneux! Bon, d'accord. On court, on court pas. On court, on court pas. Oh, des têtes de vache! Mais c'est beau, il est là! Bon, bah là, je trouverai pas du premier coup, faut pas rêver, non. Oh, mais il y a 3 portes en plus. J'ai pris celle du milieu, je suis sûr, c'est pas celle-là. Au moins, il y a un coffre. Il y a un petit joyau! Alors moi... Un ragondin, une chauve-souris et un champignon. Combattre, fuir, statue. Bah combattre. Toi tu attaques la chauve-souris. Toi est-ce que t'as un pouvoir? Tu fais cramer tout. Et toi t'as un pouvoir? Ouais, bah je m'en fous. Tu fais attaquer le champignon. Elle tape fort avec son sceptre. Je m'attendais à ce qu'elle ait 0 d'attaque genre. Mais en fait pas du tout. Oh non. On a fait un shish kebab. Voilà. Ok. Tac, tac, on avance. On va à droite. Ah. C'est un visage de Minotaure. L'œil droit brille, mais il y a un trou à la place du gauche. Est-ce qu'on peut mettre le joyau brillant, genre? Petit joyau. Ah, mais c'était ça. J'ai fait le premier. Et je vous jure, j'ai pas fait exprès. Je vous jure, j'ai aucune idée de ce que je viens de faire en vrai. Bon, du coup, ça doit être à gauche le dernier, j'imagine. Tac, tac, tac. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. J'étais trop présomptueux, je me suis enfin trompé. Bah, ça prouve bien que déjà je connais pas le chemin. Tac, 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 tac. Et genre ça a ouvert quelque chose ici. Oh, une lampe rouge, oh là là. Oh, il y a des lampes vertes, des rouges, et les murs sont bleus. Ouh, il y a toutes les couleurs. Ah, c'est violet et marron. C'est très moche la déco. Les statues sont sympas, mais sinon la déco est moche. Alors, vraiment, c'est... Qu'y a-t-il, Telos? Bah, c'est plus moche qu'avant. Ah non, c'est pas ça. Cédola disait qu'un passage secret mènerait plus loin. Je suis venu ici assez souvent et je l'ai toujours trouvé bizarre. J'ai toujours imaginé que ce temple ressemblerait à autre chose. Que veux-tu dire? Bah qu'il y a un passage secret et qu'il y a de fortes chances qu'ils aient raison en fait. J'ai toujours demandé pourquoi il n'y avait rien de tel.
Ah mais je sais maintenant, il y a des statues partout. Bah oui, mais c'est... Oui, mais je suis d'accord, parce que sinon il n'y a pas de jeu de toute façon, alors allez, avance. Oui. Est-ce qu'on trouvera le passage secret avant la fin de la vidéo? Est-ce qu'on peut pousser ça? On peut pousser ça. Oh! Un trou. Un trou qui... Qu'est-ce que c'est? C'est un slime? Qu'est-ce que... On attaque. On attaque, on attaque. Ah mais il est encore en vie! Ah mais ça je l'avais pas prévu par contre. Je pensais qu'il allait mourir en deux coups, c'est pour ça que j'attaquais comme un gros mongol. Voilà, lui il meurt deux coups. Mais ça c'est logique, ça j'ai compris. Mais pourquoi il a pas fait ça? Bon du coup, ça on peut pas le pousser. Non, bon, alors ici, ça sert à rien. Ça doit être de l'autre côté. Allez, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Excusez-moi monsieur. C'est bon. Et là il y a un trou. Oh. Ah d'accord. On attaque! J'aime bien les animations en trois quarts. Vraiment, c'est... J'ai jamais joué à ce jeu avant, enfin avant la première vidéo que vous verrez pas, mais que vous verrez peut-être des extraits, donc... Ah, puis démerdez-vous au moment. Hein? Je veux dire, je suis pas de ta mère. Ok. Là, par contre... Ah bah, le héros, il soigne. Alors, les autres, ils font boum boum, et le héros, il soigne. Bon, on fait boum boum deux fois, rien à foutre. Ah, il y en a un qui a cramé du premier coup. Ah, il y en a un qui a fui! Ah, bah du coup, ouais, bah, j'aurais pu faire autre chose. Ah, je pensais pas qu'il allait fuir. Ah, je suis presque déçu, quoi. Alors, excusez-moi, excusez-moi. Droite, toujours à droite. Je vais toujours à droite. À droite. Droite, des têtes de toi. Bah, du coup, combattre. Combattre. Et du feu. Parce que sinon, ils vont me refaire le coup. Ok. Il a un peu moins. Enfin, il a entre 23 et 20 points de vie, le machin. Il faut essayer de trouver, tu vois, parce que après, tu simplifies les coups. Vlad passe écuyer, niveau 2. Il maîtrise le tremblement. C'est-à-dire, quand il tient son épée comme ça, il fait. Non, vraiment, c'est comme ça que je le vois dans ma tête. Là, il devait du costaud, mais au début du jeu, vraiment, c'était une grosse tapette un peu débile. Oh, c'est comme ça que je le vois. On voit lui, hop, il est tout seul. Il s'est perdu, certes. Bah, ça doit être celui qui a fui, finalement. Ah, on a qu'à dire ça. Excusez-moi. Ah, oh, il y avait un coffre. Bon, je m'en fous, je vais tout à droite. C'était tout à droite, en plus. Des statues, elles semblent hors d'atteinte. Oh là là. La clé doit être la psynergie. Bah, je veux bien, mais j'en ai moi de la psynergie. Ah oui, déplacer. Voilà. C'est pas celui-là. Venez, on joue à. Allez, je prends le quatrième. Je pense que c'est celui-là. Non. À tous les coups, ça va être le dernier que je vais faire, hein, de toute façon. Allez, celui-là. Oh. Allez, à droite. Ah bah non. C'est un fantôme. Je ne dirai pas autre chose, vraiment, je... Mais c'est un fantôme. Enfin, je crois. Il a pas genre tremblement, on m'avait dit là. Bon, tant pis. Et toi, tu fais tout flamber. Allez. Ok, y a plus d'apparition, ça c'est fait. Et on attaque. Et voilà. Est-ce qu'on va atterrir au dernier endroit avant la fin de la vidéo, c'est-à-dire dans 20 secondes? Oh putain, ils sont tous montés de niveau. Ah non. Bon bah c'est la fin de la vidéo. Est-ce que vous l'avez vu en fait? C'est un truc qui tourne en... Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer un jeu rétro pour la prochaine vidéo. Ou à me demander un let's play là-dessus parce que vraiment il me plaît bien ce jeu pour l'instant. Et à la prochaine. Salut! Thank you.
Thank you.